you're within my control. At least that's what I tell myself. Can't trip when it looks like they're moving the goal. Cause crying isn't gonna help. On en a déjà parlé, c'est pas ce que je veux. Ces flips arrière au début de ta sortie sont d'un niveau trop avancé pour toi. Ça va pas avec le reste. Tu prends beaucoup trop de risques. Il ne faut pas brûler les étapes. Mais ils font beaucoup d'effets. Mylène. Je sais, mais je veux impressionner les juges aux qualifications. Et je veux faire partie de l'équipe régionale de gym. Il y a des filles de mon âge. Et si on veut faire les Jeux Olympiques? Chérie, oublie les Jeux Olympiques pour le moment. Les qualifications d'abord. Et c'est dans 3 mois. Ça te laisse tout le temps d'améliorer ce que tu as déjà. Tu dois apprendre à être patiente. Je t'aiderai à atteindre ton objectif. Tu me fais confiance? Oui. Parfait. De toute façon, tu n'as pas besoin de flip-flap pour impressionner les juges. I know that I should go, but my 2 feet are buried deep in your concrete, and I can't get away. J'ai vu tes flips arrière sur la poutre. Super méga géant. C'est pour ça que tu es la deuxième meilleure gymnaste de cette équipe. La deuxième? Oui, après moi, bien sûr. Exactement comme aux prochains Jeux Olympiques. Je vois ça d'ici. Je serai sur le podium avec la médaille d'or et toi avec la médaille d'argent. Ring. Allô, Solène? Ici la réalité. C'est pas toi, mais moi qui serai sur le podium avec la médaille d'or. Alors, t'en penses quoi de la nouvelle? Sarah. Elle a l'air sympa. Oui, ordinaire et sympa. L'autre fois, elle disait qu'elle avait que des 20 sur 20. Rien à craindre de ce côté-là. Mais tu sais de qui on doit absolument se méfier? Megan Murphy de Performance Plus Gymnastique. Tout le monde dit qu'elle sera championne. Megan est vraiment très bonne. Mais moi, j'y crois pas. C'est pas elle ni personne d'autre qui va me faire peur. Oui, mais s'ils retiennent que 3 filles pour l'équipe qui ira aux Jeux Olympiques, on a intérêt à leur montrer de quoi on est capable pour être prise. On sera prise. Quoi encore? T'es triste parce que tu finis toujours deuxième après moi depuis qu'on a 3 ans? Non. La coach me demande de prendre aucun risque, mais je m'ennuie à faire des trucs faciles. J'ai l'impression que je suis encore chez les bébés, alors que je peux très bien y arriver. Évidemment que tu peux très bien y arriver. T'es une superstar. On ferait mieux de s'y remettre, sinon ma mère va encore être sur mon dos parce que j'aurai pas assez travaillé. D'accord. Prête pour l'action? Prête à s'envoler. Prête? C'est parti! Mylène! Mylène, tu devineras jamais! Aujourd'hui, j'ai fait le cochon pendu. C'est super, Macy. Et toi, Marie? Moi, j'ai trop peur. Ah, tu y arriveras la prochaine fois. Allez, chérie. D'accord, on y va, grand-mère. Chérie, il faut que tu travailles tes exercices au sol. Mais maman, c'est ce que je fais. Ça t'aiderait peut-être si tu ne faisais pas l'idiote pendant l'entraînement. Excuse-moi. Solène, c'est important. Si tu n'es pas sélectionnée dans l'équipe régionale, j'ai peur que tu ne fasses jamais partie des meilleurs gymnastes comme ta sœur.
Je sais. Je vais travailler plus dur. Bien. Subway cars filled with tiny souls. Some are young and some of them are old. Saddest faces you have ever seen. How can we set each other free? J'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai pu réserver dans l'un des meilleurs campings pour notre fameux camping annuel. N'oublie pas de dire à Solène que ce sera le premier week-end de juin. Ce serait pas pareil sans elle, hein? D'accord. Je compte sur toi. Ça s'est bien passé au café aujourd'hui? Ah oui, il y avait la queue dans la rue toute la matinée. Arrête de donner toute ta viande aux chiens. Mais si! Au fait, tu sais le guitariste que j'ai engagé pour nos ladis musicaux? Il s'est même pas présenté. Chérie, t'aurais dû me prendre moi. Et il est pas trop tard. Je peux appeler le reste du groupe et on peut te faire oh, un non. petit set. Chérie, tu sais que je t'adore, mais pas à ce point-là. Ton rock grunge ferait fuir n'importe qui et je ne veux pas faire fuir mes clients. Non, arrête. Je te crois pas. Aucun être au monde ne peut résister au son énorme de « Je hais les jeudis ». Non, c'était parti pour le reste de la nuit. Wow. Oh, mais j'avais oublié qu'on était jeudi. Jeudi. Tu es le principal d'un lycée. Juste un principal. Mais qui déchire. Vous êtes trop vous deux. Messi, Marie, vous allez jouer dans votre chambre. Papa et moi, on veut parler à Mylène. Allez, les filles. Allez jouer dans votre chambre. J'arrive tout de suite. Voilà. Aujourd'hui, ton professeur, monsieur Wu, nous a envoyé un email à ton sujet. Oh, non, je peux vous expliquer. Je voulais pas donner cette frite au cochon d'Inde de notre classe. Elle m'a seulement échappé des mains. Non, c'est pas pour ça. C'est à propos des mauvais résultats que tu as à l'école. Des mauvais résultats? Monsieur Wu a remarqué que tu avais des difficultés à rendre tes devoirs à temps. Il a suggéré qu'un collégien te donne des cours particuliers. 4 jours par semaine après l'école. 4 jours par semaine? Je veux pas. D'après lui, tu en as besoin. Et on trouve que la gymnastique te prend beaucoup trop de temps. Mais on est en train de préparer des choses très importantes. La démonstration pour vous montrer nos enchaînements et ensuite la compétition pour être prise dans l'équipe régionale. Mais je travaillerai mieux à l'école sans qu'on m'aide. Je vous le promets. Il y a un contrôle de science demain et je vais tout faire pour le réussir. D'accord. On verra ce que donne ce contrôle. Mais rappelle-toi. Je sais, oui. L'école passe en premier. Oui. J'aimerais être un hamster. T'as pas de parents qui t'embêtent pour tes notes, toi. T'en as de la chance. Tu fais de la gymnastique toutes les fois que t'en as envie. L'enveloppe nucléaire entoure le noyau, séparant son contenu du cytoplasme. Tout ça, ça veut rien dire pour moi. Moi, peur? Je sais même pas ce que ça veut dire. D'accord, mais tu trouves pas que nos manuels sont un peu compliqués? Demande pas à Sarah. Elle a que des 20 sur 20. Arrête de stresser, ça va bien se passer. Ah oui, je sais même pas pourquoi je devrais m'inquiéter. Je devrais bien m'en sortir. Votre attention, s'il vous plaît. On va commencer. J'espère que chacun d'entre vous a bien révisé. Vous avez 30 minutes. Bonne chance.
nommer les différences entre les cellules végétales et animales. Vrai ou faux, chaque cellule a un noyau. Qu'est-ce que tu as fait? C'est un travail très spécifique. Une partie de la cellule contrôle les cellules spécialisées. Comment nomme-t-on les petits compartiments qui... A, les cellules. L'enveloppe nucléaire et B composent le noyau distinct de cette place. Puis-je te voir un moment? Mais je comprends pas. Ça ne te ressemble tellement pas de tricher. J'ai vraiment essayé de le faire par moi-même. Seulement, je me rappelais rien de ce que j'avais lu. Oh, je sais pas ce qui m'a pris. Je vous demande pardon. Il est temps que tu prennes ces cours particuliers. Monsieur Wu a été obligé de te mettre un zéro. Un zéro? Oui. Il dit que tu as un problème de compréhension de ce que tu lis. C'est vrai? Oui, mais ça arrive souvent. Quand j'étais instituteur, je voyais ça tout le temps. D'après Monsieur Wu, beaucoup d'enfants de ton âge rencontrent le même souci. Il y a même un nom pour ça. Le décrochage en troisième année d'école primaire. C'est quoi? C'est quand on perd le fil. On sait lire, mais les phrases et les mots se mélangent. C'est à ce moment-là que tu décroches. Mais j'ai trop de choses importantes à faire. Je peux pas prendre ces cours. À cause de la gymnastique? Oui, à cause de la gymnastique. Il faut que je sois prise dans l'équipe régionale. Pour moi, c'est ce qui compte le plus au monde. Mylène, écoute-moi. On va faire un marché. Pas de cours, pas de gymnastique. L'école doit passer avant. Alors les cours particuliers, tu vas les commencer dès demain. D'accord. Merci. Et on décidera plus tard de ta punition pour avoir triché. Génial. Mylène! Salut, je m'appelle Josie. Alors c'est toi qui vas me donner des cours? Oui, assieds-toi. Je l'ai déjà fait de mon côté, comme tu vois. Je l'appelle Éclair. Cool. Jolie couleur. Merci. Je crois savoir que t'as des problèmes de lecture, c'est bien ça? C'est mon prof qui dit ça, mais c'est pas possible. Quand j'étais petite, j'adorais la lecture, mais... Quand t'étais petite? Mais aujourd'hui, plus du tout. Je sais pas, ça m'ennuie et je suis trop occupée avec la gymnastique. Ah oui, c'est vrai, t'es une gymnaste. Dans ce cas, tu peux peut-être voir le travail qu'on va faire ensemble comme une gymnastique de l'esprit. Bonjour, est-ce que je pourrais emprunter ce livre? Oui. Super, merci, je t'en prie. Désolée, j'ai fait tomber mon crayon. Je vais arriver en retard à mon entraînement de gymnastique, alors on commence? Ouais, moi j'ai un cours de flûte après, alors vaut mieux pas perdre de temps. Si ton crayon est d'accord, bien sûr. Dans ce cas, je te propose de revoir ce contrôle qui t'a posé des problèmes, d'après ce qu'on m'a dit. D'accord. Super. Tiens. 3, 4, 5. Où est-ce que t'étais passé? Allez. Comment ça, où j'étais passé? 4, 5. On est vendredi, et le vendredi, on peut boire de bons jus de fruits avant l'entraînement. Ah oui, c'est vrai, je devais penser à autre chose, désolée. T'es prête pour la démonstration de ce week-end? J'ai hâte de te donner une bonne leçon à la poutre. Je sais pas trop. Ma mère trouve que je devrais plus travailler mes exercices au sol. Elle dit que je passe mon temps à faire l'idiote. Quoi? Jamais de la vie! En plus, c'est juste une démonstration. On sera même pas notés. Tout ensemble, on commence et on tend ses jambes et ses pointes de pied. Quelque chose ne va pas? C'est
yeux. Pearly, t'as les réflexes. Non, tout va bien. Oh, je meurs de soif. Voilà, c'est mieux. On tend les bras en l'air et on enchaîne par un flip une fois que la dernière est arrivée. Le chien devrait un jour rentrer chez son maître. Mais la mère de Julie devait insister parce que Julie tenait absolument à garder le chien pour elle. Il était tellement gentil et joueur et il semblait vraiment l'aimer beaucoup. Mais elle se rendait compte que sa mère avait raison. Le chien ne lui appartenait pas. Même si elle l'avait trouvé. Alors elle décida de rendre le chien à son père. Quand celui-ci vit son chien, il pleura de joie et Julie fut très contente. Peut-être qu'un jour elle aura son propre chien. Tu lis super bien à voix haute. Dis-moi, comment Julie se sent-elle à la fin de l'histoire après avoir rendu le chien à son maître? J'en sais rien. Je m'en souviens plus. Attends, j'ai une autre idée. Mais... ce sont les livres que lit ma petite sœur de 5 ans. Tu crois vraiment que je suis nulle au point de devoir lire les livres de maternelle? Non, t'es pas nulle, Mylène. Seulement, en fait, pour pouvoir progresser, faut parfois reprendre les bases et retourner à ce qui est facile. Ça n'arrive jamais en gymnastique. C'est fou, je croirais entendre ma coach. Et c'est pas de la gymnastique, je suis désolée. Je crois que ça va pas marcher. Je vais devoir trouver une autre prof. Bien, c'est toi qui décides, j'en parlerai à Monsieur Wu et je suis persuadée que tu trouveras une prof qui sera comme tu le souhaites. Bonjour. Salut. Quel est le sujet de l'histoire? Je t'écoute. Stop, ça va pas. Trop lente. Question suivante. Apprends, je t'écoute. Stop, ça va pas, encore trop lent. Quels sont les autres personnages de l'histoire? Je t'écoute. Stop. Quel est le cadre de l'histoire? Je t'écoute. Stop, trop lent. Mauvais, nul, horrible. Je vais forcément en trouver un. Il y a Josie. Mais Josie me prend pour un bébé. Mylène, maintenant ça suffit. Tu as besoin de cours particuliers. Et Josie est quelqu'un qui fait ça très bien. D'accord. Bien. Au fait, bonne chance pour ta démonstration d'aujourd'hui. Merci. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Les gymnastes du club Les Étoiles Filantes sont très heureuses de vous faire une petite démonstration de leur savoir-faire. Dans un peu moins de 3 mois, nos filles participeront à une compétition avec l'ensemble des gymnastes de la région pour tenter d'intégrer l'équipe régionale. Vous avez constaté à quel point elles ont travaillé dur. Mais aujourd'hui, c'est juste pour le plaisir et je vous demande d'applaudir au sol Sarah Kuchinko. Bonne chance, Mylène. Merci beaucoup, coach. Tu fais pas autre chose que ton enchaînement habituel. Et maintenant, Mylène Brooks à la course.
Chercher de la glace. Détends-toi, respire profondément, respire. Voilà, c'est bien. Assieds-toi sur le canapé. On va mettre ton pied en hauteur. Allez. Donne. Mets-les là. Allonge ta jambe. Oui. Tu veux manger une bonne glace? C'est pas ça qui va soigner ma cheville cassée. Chérie, ta coach t'avait prévenu, tu devais pas... Chérie, 8 semaines de plâtre, c'est rien, hein? C'est pas la fin. Si, c'est la fin du monde pour moi. Ça veut dire qu'on enlèvera mon plâtre seulement 3 semaines avant les qualifications. Le médecin t'a dit que tu pouvais commencer des exercices qui n'impliquaient pas le pied dans 2 semaines. Peut-être que ta cheville va se remettre à temps. En attendant, tu peux mettre ce temps à profit pour étudier. Ce qui est plus important. C'est vrai. Oui. J'ai pas le choix. Mylène. Chérie. Mylène. De toute manière, ça vous fait plaisir. Comme ça, je peux rien faire d'autre qu'étudier. Mais tu ne penses pas ce que tu dis. Oh. Chérie. Je suis vraiment navré pour ta blessure. Je peux te voir une seconde? Bien sûr. Josie est disponible pour te voir demain après l'école à la bibliothèque. D'accord, je la verrai demain. Merci. Bien. Il te parlait de quoi, le prof? Demain, je vais devoir quitter la classe plus tôt pour commencer, mais... Ma rééducation. Avec une cheville dans le plâtre, tu rigoles? Comment c'est possible? Recommencez les filles. T'as assuré. À moi.
l'avais jamais vu répéter un son. J'aurais jamais dû arrêter la danse. J'aurais les faire ces figures moi aussi. Waouh! Je suis sûre que tu serais aussi bonne qu'elle. Mais vaut mieux pas que ta mère le sache, sinon elle va encore te passer un savon. Ouais. T'as de la chance de pas avoir entraînement aujourd'hui. Sarah me tape sur les nerfs. Elle n'arrête pas. Ah, je propose de faire une soirée pyjama avec toute l'équipe. Elle veut juste se faire des amis. Pourquoi à chaque fois que je dis quelque chose à propos de cette fille, toi tu la défends? Après tout, si tu l'apprécies autant, pourquoi est-ce que t'en fais pas ta nouvelle meilleure amie? Mais ça va pas ou quoi? Et pourquoi tu la supportes pas d'abord? Je sais pas, je... T'as forcément une autre amie, puisque maintenant, la plupart du temps, je sais même pas où est-ce que tu es. Je vois pas pourquoi je serais obligée de te prévenir à chaque fois que je vais quelque part. Alors, n'en rajoute pas, parce qu'en ce moment, j'ai la pression. Ah oui, et pourquoi? Pour ma cheville, bien sûr. Oui, puisque tu le dis. Allez, je te laisse. When you just can't sleep, when you're counting sheep, I'll be here for you, I'll be here for you. When you need to talk, take a good long walk, I'll be here for you, I'll be here for you. Of all the people on the planet, if I had my choice. Et voilà, un triple expresso. J'espère que vous avez prévu de rester toute la journée. Tenez, merci. C'est la première fois que je peux m'asseoir de toute la matinée. Quoi? J'ai un truc sur le front? Ici? Bon, tu me le dirais. Ah oui. Bon, je peux compter sur toi. Ok. Ça y est? Oui. D'accord. Ah, au fait, ce soir c'est pizza. Je me suis dit que pour changer, on pouvait commander chez Antonio. T'en penses quoi, toi? Fais comme tu veux, ça me va. Comme je veux? Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Mais d'habitude, t'as toujours un avis sur la pizzeria où on commande. C'est vrai, mais j'angoisse. Demain, je recommence les cours avec Josie. Et c'est pas bien? C'est pas que c'est pas bien, mais elle me traite comme un bébé. Oh, je sais que ça doit être dur pour toi, très dur. T'as toujours été ma petite fonceuse, ma petite tête brûlée qui savait tout ce qu'elle voulait. Tu es même née, dis-le avec moi, deux semaines avant l'heure. Prête à sortir de là et à t'attaquer au monde. C'est plus le cas. Je fais plus rien de bien maintenant. Et il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est? Devoir prendre des cours en plus. J'ai trop honte. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non, rien, rien du tout. Seulement, t'es vraiment ma fille, y a aucun doute. Comment ça? Eh bien, je veux dire par là qu'on se sent obligé de devoir tout assumer toute seule, jusqu'au point de laisser les choses nous déborder et de les laisser nous déséquilibrer. Tu sais, quand tu es en équilibre sur la poutre, si tu te penches trop à droite ou à gauche, tu tombes. C'est la toute première chose qu'on nous apprend. Oh, d'accord, madame l'experte. Bref, là où je veux en venir, c'est que c'est exactement pareil dans la vie. Il faut un équilibre. À ton avis, pourquoi j'ai démissionné de ce poste à la banque pour ouvrir ce café? Parce que tu aimes le café? Oui, et aussi parce que j'avais besoin d'un équilibre. Par exemple, j'avais besoin d'être mon propre patron. Oui, moi. Et je voulais aussi avoir du temps pour être avec vous après l'école. Et j'ai vraiment cru que j'y arriverais sans problème. T'emmener au club, être là pour tes sœurs, faire le repas tous les soirs. Oh, c'était impossible. Alors ta grand-mère est venue me voir pour me donner un coup de main. Et tu sais quoi? Quoi? J'avais trop honte. Vraiment honte d'admettre que je n'y arrivais pas toute seule. Mais ta grand-mère m'a appris une chose. Tu sais ce que c'est? Non, quoi? Il n'y a pas de honte à recevoir un coup de main.
Merci d'accepter de me revoir. Écoute, je sais que c'est Monsieur Wu qui t'oblige à prendre des cours particuliers, mais est-ce qu'au moins on peut se donner une chance? D'accord. Super, alors on va commencer par de la science, ça me semble bien. Ouais, j'adore. D'accord, la science. Je vais chercher un autre livre. Ils sont chouettes ces costumes. Elle est toujours super bien. Sur les océans pour le cours de science. Oh. La chance de la vie. Les enfants, on prend ses affaires et on sort calmement. Bon ben, on se revoit jeudi prochain. Pas si tu passes ton temps à te cacher. Quoi ? Ça se voit que t'as honte de prendre des cours particuliers, mais ça marchera pas tant que t'essaieras pas sérieusement. Alors j'espère que tu t'y mettras jeudi. Mylène. Mylène, attends. Solène, j'apprécie que tu travailles aussi durement aujourd'hui, mais je te suggère d'aller te reposer. Je peux pas. Ma mère m'a dit que mon enchaînement au sol n'était pas très au point. Il faut que je continue à le travailler. Ma sœur a été sélectionnée pour les qualifications des Jeux Olympiques. Oui, mais Katia s'est cassé le poignet en tombant et finalement, elle n'a pas fait les Jeux. Quand on s'entraîne trop dur, ça n'apporte rien de bon. Sans compter que faire de la gym, c'est avant tout s'amuser. Ça, c'est à ma mère qu'il faut le dire. Je voulais te dire quelque chose d'important. Moi aussi, j'ai pris des cours particuliers. Toi ? Mais t'as que des 20 sur 20. Maintenant, oui. Mais avant, j'étais nulle en maths. Il fallait que quelqu'un me donne un coup de main. Et depuis, j'ai aucun souci dans cette matière. S'il te plaît, dis à personne que je prends des cours particuliers. Je sais que t'en as pris aussi. Mais moi, je suis pas prête à en parler aux autres. Je le dirai à personne, je te le promets. Je sais ce que c'est. Merci, Sarah. Josie, t'avais raison, j'étais en colère parce que j'étais obligée d'être là et j'avais honte de devoir prendre des cours en plus. Mais ça y est, je sais que t'es là pour m'aider. Dis donc, t'as été longue à la détente. Je suis prête à suivre ta méthode. J'ai vraiment besoin que tu m'aides. Waouh, c'est une toute nouvelle Mylène. Oui. Cool, alors on y va. D'accord, allons-y. Oh, tu veux que je lise ce livre ? Non, ça c'est à moi, c'est mon livre. Oh, tu aimes les chevaux ? Oui, je les aime bien. En fait, j'ai toujours rêvé de monter, mais bon, t'as compris. Oui, mais les gens en fauteuil roulant peuvent monter à cheval. C'est pas vrai ? Si, si, je pense, mais... Arrête de changer de sujet et mettons-nous au travail. Vas-y, relis-moi ça, tu vas y arriver. Le dragon était là. Plus de plâtre. Alors, Delphine et Marie le laissèrent partir. Oui. La cellule est l'unité de structure de tout être vivant. Compétition régionale le 14 juin. En train de t'endormir ou quoi ? De l'écho pour les travailleuses. Ah. Bon courage. Merci. Ça va nous faire du bien.
Regarde ses moustaches. Vous le savez sûrement, dit la princesse, que la reine me surveille grâce à un miroir magique qui peut tout voir. Oh, ça y est, j'y arrive plus. On se détend, sois patient, patiente. En réalité, tu fais de plus en plus de progrès. C'est excellent. C'est vrai. Ouais. Merci. Allez, vas-y, voilà. Maintenant, on peut tenter de passer à la vitesse supérieure. D'accord. Je te propose de lire des livres plus difficiles. Tu veux bien? Pas des livres universitaires, je te rassure. Mais des romans destinés à des jeunes de tout âge, comme Crabe Blanc, par exemple. Crabe Blanc. Désolée. Pas Crabe Blanc, Croc Blanc. Commençons par celui-ci. Tu veux te lancer? Si tu te sens pas assez à l'aise, on peut passer au livre plus tard. C'était quoi ce bruit? J'ai failli sauter de mon fauteuil. T'es super, Josie. Je sais, merci. Alors, tu me présentes à ton amie secrète qui est tellement super. Solène, qu'est-ce que tu fais là? Ne change pas de sujet, s'il te plaît. Tu es prise la main dans le sac de la rééducation. Tu m'as menti. Oui, je suis désolée, mais donne-moi une seconde chance, je voulais... Ça y est, j'ai compris, tu t'es fait de nouvelles amies. Sarah et celle dont je connais pas le nom et je m'en fiche. C'est pas mon amie, c'est ma prof. Enfin, c'est mon amie et ma prof. Et elle s'appelle Josie. Une prof particulière? Pourquoi tu m'en as pas parlé? Ben... J'avais un peu honte de moi. Moi, je n'aurais jamais eu de secret pour toi. C'est vraiment pas sympa. Moi, je vais me préparer pour les qualifications. Et toi, amuse-toi bien avec ton plâtre. Il n'y a que toi pour venir promener le chien alors que tu as encore tes béquilles. Au moins, je fais travailler mes bras. Bravo, c'est bien de voir le bon côté des choses. Et il ne reste plus que 2 semaines à partir de jeudi avant qu'on t'enlève ton plâtre. On pourrait demander au médecin si on peut pas me l'enlever plus tôt. Je me fais du souci, j'aurais peut-être pas assez de temps pour m'entraîner avant la compétition. Chaque chose en son temps. Tu penseras à ton entraînement quand tu n'auras plus ton plâtre. C'est-à-dire dans seulement 2 semaines à partir de jeudi. D'accord, 2 semaines à partir de jeudi. Mais pas un jour de plus. Au fait, coupe-moi ainsi. Il faut que je te parle à propos de nos vacances au camping. Ton père doit avoir une conférence la première semaine de juin. Mais on pourra quand même y aller. Seulement, ce ne sera possible que la semaine prochaine. Et avec ton plâtre... Maman, c'est pas ça qui va me faire rater notre séjour au camping. Tu es sûre? À 100%. Super. Sans compter que cette fois, Solène et toi, vous pourrez avoir votre propre tente sans les jumelles. Je crois que Solène ne pourra pas venir la semaine prochaine. Ok. Dis-le-nous si ça change. Au fait, est-ce que Josie pourrait venir? Oui. Excellente idée. Oui, génial. Ça me fait plaisir que vous deveniez amies toutes les deux. On s'entend bien. Elle est vraiment super sympa.
Et j'ai jamais rencontré une personne aussi intelligente. Je dois voir sa mère au club des femmes chefs d'entreprise de ma soirée. Je pourrais peut-être l'inviter, elle et son mari, à nous rejoindre au camping. Hein. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, génial. Ouais, d'accord. Je vais lui proposer. Tu es sûre que ça va avec Solène? Ça peut aller. Solène? Solène! Est-ce que je peux te parler? Pourquoi? T'as d'autres mensonges à me dire? Écoute, notre séjour au camping est prévu pour la semaine prochaine. Et je sais qu'on est fâchés, mais sans toi, ça sera pas aussi bien. Tu fais partie de notre famille. Tu veux quand même que je vienne au camping? Bien sûr! Et il y aura Josie et ses parents, on pourra être tous ensemble. Non, merci. Je peux pas la semaine prochaine. Bon, d'accord. De toute façon, il n'y avait pas assez de place pour toi dans la tente. S'il y a des ours dans la forêt, en tout cas, papa et moi, on sera là pour vous protéger. Oh, c'est dur. Et ça doit être encore plus dur pour Josie. J'ai de la peine pour elle. Comment elle va faire pour partir en randonnée avec nous? Tu as oublié que toi aussi, tu risquais d'avoir du mal. Oh, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Tu as de la chance, le papa le plus chouette de la Terre n'a pas oublié, lui. Et en plus, t'as trouvé le coin idéal. T'as vu ça? Ce chemin est même censé nous mener à de superbes chutes d'eau. Et puisque je te dis que je suis le papa le plus chouette de la Terre... Faut pas tousser. Waouh. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je crois que je vais appeler le mien Tonnerre. Et Tonnerre va battre Éclair en allant aux chutes. Oh, attends, attends. Tu veux faire la course avec moi? Tu paries. La première qui arrive aux chutes d'eau est la plus balèze. Ça roule. Ça roule. D'accord. Je te présente, tu vas perdre. On va voir ça. C'est toi qui vas perdre. T'es prête? Je suis prête. À vos marques. Prête. Parfait. Officiellement mis une raclée. Ouais, faut dire que par rapport à toi, j'ai un peu plus d'entraînement. Mais t'as raison, c'était la raclée du siècle. Mais honnêtement, c'est pas très important quand tu vois ça. Waouh. C'est pas grave, je vois très bien d'ici. C'est incroyable, non? Ouais, et quand je vois des trucs comme ça, j'ai plus la sensation d'être quelqu'un de différent par rapport aux autres. Parce que ces chutes d'eau sont plus puissantes que n'importe lequel d'entre nous. Même la personne la plus rapide, la plus forte au monde. Ne vous en faites pas, les filles, je suis presque arrivé. Alors, on remet ça? Ça roule. C'est parti. Ouais, je vais te battre encore une fois pour t'arriver non plus. Black and white is gone. It's a new dawn. Tu dois dispasser les étincelles sur tout le monde jusqu'à ce qu'ils deviennent bons. Non, 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 je te...
te plairait, si moi. Tu viens me dire au revoir. Bon, il faut dormir, on va être fatigués demain. Je suis déjà fatiguée. Coucou. Hey. Salut. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui. Ouais. Bien. Qu'est-ce que t'as fait à ton père? Il est dans une de ses formes ce soir. Tu le verras, il fait des drôles de bruits. Attends, je vais essayer. Allez, bonne nuit, les filles. Bonne nuit, Madame Brooks. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. C'est fou quand je pense à toutes les guimauves que j'ai mangées, j'en reviens pas. Mais c'était la première qui était la meilleure. Parce qu'il n'y a rien de meilleur que le goût de la victoire. Et comme j'ai gagné deux fois, c'était doublement meilleur. D'accord, d'accord. J'arrête de me moquer de toi. Avec Solène, on se moque tout le temps l'une de l'autre, alors je suis habituée, t'en fais pas. Enfin, c'était vrai quand on se parlait. Je crois que c'est la plus grosse dispute qu'on ait jamais eue. Enfin bref, ça m'énerve, je pense plus qu'à ça. Eh ben, peut-être que tu devrais essayer de te mettre à la place de Solène, comme tu l'as fait pour moi dans ton fauteuil. Peut-être que tu la comprendrais mieux si tu voyais par ses yeux. Ben, je sais que sa mère est toujours sur son dos en gymnastique. Elle ressemble à un faucon quand elle la surveille. Dis donc, ça doit pas être drôle tous les jours. Non, seulement, c'est pas parce que sa mère lui en fait voir de toutes les couleurs qu'elle doit s'en prendre à moi. On peut arrêter de parler d'elle, s'il te plaît. Bien sûr, je commence à être fatiguée. En plus, je crois que je vais fermer les yeux et repenser au meilleur moment de ma victoire. Enfin, pas ma victoire, mais mes victoires. D'accord, d'accord. On arrête les attaques de pelochon. Attention, je te surveille. Bonne nuit. Bonne nuit. Dors avec un œil ouvert, on sait jamais. Durant sa courte vie, une seule chose l'avait tracassée. Et cette chose, c'était l'endroit où on devait l'envoyer un jour. Le climat de l'Inde n'était pas bon pour les enfants. Et dès que possible, on les envoyait ailleurs, en général en Angleterre, où ils entraient au collège. Elle avait vu des enfants s'en aller. Elle avait vu des enfants s'en aller et avait entendu leur père et leur mère parler des lettres qu'ils avaient reçues d'eux. Elle savait qu'elle aussi serait bien obligée de partir un jour. Et bien qu'attirée par les histoires que lui racontait son père sur le nouveau pays, elle était tourmentée à l'idée de ne pas pouvoir rester en Inde à ses côtés. Alors, pourquoi va-t-elle partir dans un autre pays? Parce qu'elle ne doit pas rester en Inde, à cause du temps qu'il fait. Bien, et pourquoi est-ce que ça l'embête de devoir partir? Parce que si elle s'en va, elle pourra plus voir son père. Et à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, au départ, elle sera sûrement triste. Mais ensuite, elle pourra peut-être se faire de nouveaux amis en Angleterre. T'as compris? Non, c'est vrai. J'arrive pas à y croire, ça y est, j'ai compris tout ce que j'ai lu. De A à Z. Oh, merci beaucoup, Josie. J'y serais jamais arrivée sans toi. En gym, Solène et moi, on fait un geste quand on a gagné. Je te montre, regarde, ça fait boum, encore. Encore. Et on cogne les poings. On cogne les poings. C'est rigolo, je trouve ça sympa. On devrait le faire maintenant. Oui. Au fait, je voulais te parler d'un truc. Tu sais que mon rêve, c'était d'apprendre à monter à cheval. Eh ben, j'ai trouvé un endroit qui permet aux gens comme moi de le faire. Ça s'appelle Cheval et Partage. C'est un centre équestre pour les jeunes handicapés. Attends, c'est super! Je sais, ça fait un mois que je me suis inscrite. En fait, c'est un peu toi qui m'as poussée à le faire. Moi? Ouais, parce que t'es tellement courageuse et jusqu'à maintenant ça se passe très bien là-bas, alors je t'explique. Mon moniteur a dit que je pourrais passer sans problème d'un poney à un cheval ce jeudi. C'est très important pour moi et j'aurais aimé que tu viennes me soutenir moralement. Crois pas que ça me rend nerveuse, loin de là. Je serais très contente de vivre. Ah, chouette. Attends, ce jeudi, on doit m'enlever mon plâtre ce jour-là. Oh, je vois, ouais.
tu pourrais te le faire enlever le lendemain. Ça compte beaucoup pour moi que tu sois là. Peut-être. Non, je peux vraiment pas. Avec la compétition régionale qui arrive, je vais devoir rattraper mon retard à l'entraînement. Ouais, je sais. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Essaie de comprendre ce que tout ça représente pour moi. Une fois que j'aurai plus mon plâtre, je pourrai enfin refaire de la gymnastique. Et c'est énorme pour moi, ça veut dire retourner à la vraie vie. Et moi, je ne fais pas partie de ta vraie vie, c'est ça? Je suis qu'une amie imaginaire. C'est pas ce que j'ai dit. Tu peux imaginer comme ça a été dur pour moi de me retrouver coincée dans cette bibliothèque en pouvant à peine bouger. Tu peux me croire, j'imagine très bien ce que c'est. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est rien. Je dois y aller maintenant. Au revoir, Mylène. S'il te plaît, attends. On se voit demain pour le cours? Non. Je crois que c'est plus la peine de continuer. Ça y est, tu... T'as plus de soucis en lecture. Alors, t'as plus besoin de moi. Je le dirai à Monsieur Wu, t'inquiète pas. Vous aurez un contrôle de mathématiques mardi prochain. Et... Attendez! Avant que vous ne sortiez comme une bande de rhinocéros. Voici une liste de livres. Vous pouvez choisir celui que vous voudrez. Et le 15 du mois prochain, vous me ferez un compte-rendu à l'oral pour me démontrer votre compréhension des différents aspects du livre. À demain. Il veut que ce soit le 15. C'est le lendemain des qualifications. Ouais, je sais, ça va nous faire vachement de boulot. On n'y arrivera jamais. C'est impossible qu'on y arrive. T'inquiète pas, je suis sûre que tu t'en sortiras. Merci. Salut. Salut. Love broken, we can't fix it. We tried and tried and got more distant. Out the window with the wind one night. Gust too big for me to fight. Tu fais de plus en plus de progrès. C'est excellent. Merci. J'arrête. T'as compris? Non, c'est vrai. Ouais. Je serais jamais arrivée sans toi. Josie, c'est moi, Mylène. Prête pour le grand moment? Heureusement que t'es venue me soutenir. Ben, les amis, c'est fait pour ça. Les vrais amis. Ouais. C'est drôlement sympa ici. Ouais, c'est chouette, j'adore être ici. Oh, 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 tout doux, Dust. Doucement. Salut, Josie. Est-ce que c'est le cheval que je vais monter? Non, lui, c'est Dusty. Il est nouveau ici. Les nouveaux chevaux ont souvent peur de pas grand-chose. Toi, tu vas monter Flocon de Neige. Viens voir Flocon de Neige. Viens, ma belle, viens voir. Elle a bien plus d'expérience. Tu ne vas pas tomber. Je te promets que je serai toujours là près de toi.
Écoute, Josie, ma coach nous a appris à faire un exercice de respiration qui peut t'aider. Tu prends une grande inspiration en imaginant que tu inspires le bleu du ciel et tu expires des nuages gris. Regarde, fais-le aussi. Bleu du ciel. Oh, nuages gris. Merci, Mylène. Je me sens vraiment beaucoup mieux. C'est bon, je suis prête. Allez, les enfants, on selle son cheval. L'œil, Mylène. Je suis content que ton ami ait été là. Moi aussi. À moi. C'est bien, tu es plus calme maintenant. Oui. Salut, Mylène. Et moi qui te faisais passer. Montez là. Qu'est-ce que tu fais là? C'est Josie qui m'a invitée. J'espère que t'es pas fâchée. Allez, viens. Je me suis dit que vous aimeriez discuter toutes les deux. Oh, je crois que je vais aider Bob à penser flocons de neige. À tout à l'heure. T'étais pas censée te faire enlever ton plâtre aujourd'hui? Oh, tu m'as encore menti. Je voudrais que tu m'excuses de t'avoir menti pour Josie. Seulement, j'avais honte de devoir me faire aider. Et tu vois, ça me donnait vraiment l'impression d'être nulle. Tu comprends ça? Je comprends, mais pourquoi tu n'as pas fait enlever ton plâtre aujourd'hui au lieu de venir ici? Tu ne veux plus entrer dans l'équipe régionale? Est-ce que la gymnastique ne t'intéresse plus? Au départ, on devait faire ça ensemble. Bien sûr que la gym m'intéresse toujours. Sauf que Josie est vraiment... Encore Josie. D'abord, tu l'as invitée au séjour en camping qu'on fait tous les ans. Et ensuite, tu lui as montré notre geste secret. Je suis désolée, j'étais drôlement heureuse ce jour-là. J'avais enfin compris ce que je lisais. Je dois te paraître idiote, je parie. Non, tu n'es pas idiote. Je dois être franche. Josie est devenue mon amie. Mais elle pourra jamais te remplacer. Toi et moi, on est amis depuis qu'on a 3 ans. Tu veux dire... que t'es toujours deuxième après moi depuis qu'on a 3 ans. Alors, on fait la paix? On fait la paix. Je rappelle aux filles qui vont participer à la compétition régionale que c'est dans 3 semaines seulement. Alors je compte sur vous pour vous entraîner à fond. Pas de perte de temps, pas de bavardage, on se concentre. Excellent, Sarah, je te félicite. Tu as travaillé dur et les résultats sont là. Oh, regardez qui c'est! Mylène, où est ton plat? Ça y est, on te l'a enlevé? Oui, ça y est! Ouais!
sûre que tu veux faire ta sortie aujourd'hui? Oui. Je me rappelais pas que c'était si haut, la poutre. C'est la première fois depuis l'accident, alors c'est normal d'être un peu inquiète. Prends tout ton temps. C'est ça. J'y arrive pas, j'ai la trouille. Eh bien, descends dans ce cas. Va t'entraîner sur la poutre au sol. Non, j'ai seulement 3 semaines devant moi. Il faut que je m'accroche. D'accord. Vas-y. C'est bon, descends maintenant. Allez, descends. Pourquoi j'ai autant de mal? Sur le plan physique, tu es guérie, mais sur le plan mental, va falloir encore attendre un petit peu. Tu ne dois pas être trop exigeante avec toi-même. Mais si on ne prend pas dans l'équipe régionale, alors ça voudra dire que mon travail à l'entraînement, tous mes efforts n'auront servi à rien. Mais non, c'est bien d'avoir de grands rêves seulement. Pour en réaliser un, il faut beaucoup de patience. Et faire de son mieux. Le reste, le destin décidera pour toi. Pourquoi les adultes disent toujours ce genre de phrases? Parce qu'elles sont vraies. Maintenant, va t'étirer et essaie de plus te faire autant de soucis. D'accord. Alors, tu dois être trop contente quand t'as enlevé ton plâtre. Oui, c'est sûr. J'arriverai jamais à tout faire. Être prête pour la compétition et finir mon compte-rendu pour Monsieur Wu. Je vais rater soit mon compte-rendu, soit ma sortie à la poutre. Ou même les deux. Ça fait trop de choses à gérer pour moi toute seule. Mylène, ça va aller, calme-toi. Et puis, qu'est-ce qui te permet de dire que tu es toute seule? On dirait ma mère. Eh bien, elle a raison, ta mère. Tu as moi, Josie, ta famille. Alors maintenant, je ne veux plus voir de larmes dans tes yeux, jeune fille. Alors là, j'ai vraiment cru que c'était ma mère qui me parlait. C'est flippant. Allez. Malgré une entorse à la cheville, la gymnaste américaine Kerry Strug réussit à passer son 2e saut obligatoire au saut de cheval aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Son héroïsme lui permit de décrocher la médaille d'or pour les États-Unis. Je me rappelle avoir vu son saut à la télé. Ça a été un instant magique. La pauvre, elle devait être terrifiée. Mais elle a quand même assuré son arrivée au saut. Je savais que tu t'arrêterais pas pour dîner. Ma chérie, il faut que tu fasses le plein d'énergie. Merci. Je n'aurais jamais cru devoir étudier la veille d'une importante compétition de gymnastique. Moi non plus. Mais je dois finir ce compte rendu. Et c'était passionnant de connaître le parcours d'autres athlètes. J'avais pas du tout l'impression de travailler pour l'école. Dis-moi, comment tu te sens pour la compétition de demain? J'arrive toujours pas à bien finir ma sortie à la poutre. Je tombe. Ma coach dit que je me retiens et que je suis pas dans le mouvement. Mais chaque fois que je monte là-haut, je me dis que je vais tomber, c'est sûr. J'arrive plus à attaquer la sortie comme avant. J'ai peur. Oh chérie, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire à la compétition? Ne pas y arriver et tomber.
Et surtout ne pas pouvoir devenir la grande gymnaste que j'ai toujours rêvé de devenir depuis que je suis toute petite. Je sais même pas ce que je suis sans la gymnastique. Et ça, je le sais. Tu es la plus merveilleuse des filles. Viens là. Et aussi la plus merveilleuse des petites filles. Oui. J'ai quelque chose pour toi. Oh, grand-mère, c'est si gentil. C'est magnifique. Merci, grand-mère. Je te l'ai offert pour que tu te rappelles que pour nous, quoi qu'il se passe, Mylène sera toujours une étoile. Oui, toujours. Je vous demande d'applaudir les Keystone Kids. Flipper gymnastique. Panthère gymnastique. Fantastique gymnastique. Le club du fleuve. Le club des étoiles filantes. Et Performance Plus. Mylène! Mylène! Elle nous a vu. Oui. Elle nous voit. Ma chérie! Merci. Ma chérie! Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue à la compétition régionale de gymnastique. La compétition au sol commencera dans 10 minutes. Toutes les participantes sont priées de se présenter à la table des juges. Dur à battre. Ouais, tu peux être sûr que Megan Murphy sera l'une des trois filles sélectionnées. Bonne chance en tout cas. Merci, à toi aussi. La compétition aux barres asymétriques commencera dans 10 minutes. Votre Mylène, attention, s'il vous plaît, la première candidate. T'es venue me voir? Évidemment que je suis venue. Je voulais pas rater ça. Comment tu te sens? Tu te souviens quand t'as dit que j'étais très courageuse? Eh ben, je le suis plus autant. Je sais que t'es capable d'y arriver. T'as montré que t'avais du caractère au ranch et aujourd'hui ce sera la même chose. Allez, viens. Bonne chance. Mylène, est-ce que t'as vu Solène? Je la trouve nulle part. La compétition au sol commence dans 5 minutes et elle est deuxième sur la liste. Vous en faites pas, je vais la trouver. D'accord. Ça va pas? Je viens de vomir. Oh non! C'est parce que t'es nerveuse ou que tu es malade? Parce que je suis malade. Malade d'avoir une mère obsédée par l'idée que je devienne aussi bonne que ma sœur. Malade d'avoir la pression en permanence, malade de subir tout ça! Et maintenant, mesdames et messieurs, la première gymnaste au sol, Shannon McCullers. Des fois, je rêve de me casser le poignet. Ou bien la cheville. J'aurais une bonne excuse pour arrêter tout ce cinéma. Mais on devait aller aux Jeux Olympiques ensemble. T'en as plus envie? J'étais en colère contre toi parce que tu ne m'avais pas dit ton secret. Mais je crois bien que j'en ai un moi aussi. Mais lequel? Je ne veux plus faire ce genre de gymnastique, plus jamais. Quoi? Mais pourquoi ça? Eh bien, parce que ça ne m'amuse plus. Ma mère me rappelle tout le temps que tout ce qui compte, c'est de gagner. Si je suis encore là, c'est pour toi. Tu te rappelles l'entraînement de gymnastique rythmique? Comme elle se laissait emporter par la musique. C'est ça dont j'ai envie. C'est cette gym-là qui me plaît le plus. Alors, pourquoi tu vas pas dire tout ça à ta mère? J'arriverai jamais à lui dire tout ça. Pourquoi? Mais parce que...
Parce que c'est comme ça. Écoute, je suis pas sûre de vouloir y aller non plus. J'ai peur de tomber à la poutre. Mais il faut que je le fasse. Toutes les deux, il faut qu'on le fasse. Ensemble. Tu as raison. Allons-y. Prête pour l'action? Prête à s'envoler. Oh, où étais-tu? Ça va? Oui, tout va bien. Ok. Alors à toi de jouer. D'accord? D'accord. Et maintenant, voici Solène Thomas du Club des Étoiles Filantes. Sa note est de 9,5. Jusque-là, t'as fait un parcours sans faute. C'est excellent. Mais si je tombe à la poutre? Tu vas pas tomber. Je te rappelle que c'est ton meilleur agrès. Allez, tu vas les éblouir. Et maintenant, à la poutre, Mylène Brooks du Club des Étoiles Filantes. Tu vas assurer. Thank you.
Les trois gymnastes sélectionnés pour entrer dans l'équipe régionale sont... Solène Thomas du club des étoiles filantes. Bravo Solène. Megan Murphy de Performance Plus. Et enfin, la dernière gymnaste à entrer dans l'équipe régionale est... Mylène Brooks du club des étoiles filantes. Ça avec nous? Oui, laisse-moi 5 minutes. C'était extraordinaire. Je t'avais dit que tu pouvais le faire. Oh, je suis tellement fière de toi. Pour quelqu'un qui vient d'entrer dans l'équipe régionale, tu n'as pas vraiment l'air contente? Je ne le suis pas. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, chérie? Tu en rêves depuis des années. Non, maman, c'est toi qui en rêves depuis des années. Et tu ne m'as jamais laissé poursuivre mes rêves à moi. Solène, c'était notre rêve à toutes les deux. Écoute... Non! Je ne suis pas Katia. Je suis différente. Je le sais. Et j'ai toujours cru en toi. Tu veux faire abandonner la gym? Oui, je veux faire autre chose. Si c'est vraiment ce que tu veux, je suis d'accord. Allez, viens. Alors? Je laisse tomber l'équipe régionale. Ma mère va l'annoncer à notre coach. Ça lui fait pas plaisir, mais elle a compris ce que je voulais. Sarah était la 4e gymnaste à avoir été choisie par les juges. Alors ils vont la prendre à ma place. Et elle le mérite. Et pour venir me voir assurer un max en gymnastique rythmique, c'est quand tu veux. Compte sur moi. The sun won't always rise when you're setting your heart. On a bien mérité une part de coach. Hey, on pourrait inviter Sarah à venir avec nous. Elle va vouloir fêter ça, elle aussi, non? Ouais, génial. Allez, on y va. Poussez, poussez. Allez, les filles. Certaines personnes croient que les athlètes définissent le succès par leurs victoires ou par leurs échecs. Mais les plus grands athlètes savent très bien que gagner ou perdre n'est pas la seule chose qui compte. Ils sont capables d'équilibrer leur sport avec toutes les autres choses importantes dans leur vie. C'est pour ça que l'équilibre est un des thèmes de ce livre. Ce livre enseigne une autre leçon. On ne peut pas accomplir de grandes choses sans l'aide de nos mères. Ça nous arrive à tous d'avoir des problèmes et d'avoir peur aussi. Mais on peut venir à bout de n'importe quel problème et faire en sorte que les épreuves débouchent sur un jour où l'impossible devient possible. Du moment qu'on a le soutien de sa famille et de ses amis, on doit croire en nous-mêmes et savoir qu'on peut tout faire. Mais il faut aussi ne jamais oublier les personnes qui ont cru en vous et croire en elles à notre tour.
parce qu'elles seront toujours là pour nous, qu'on perde ou qu'on gagne. Tuesday, it's a little bit strange.